c'est d'écureuil en marbre. Hey, salut tout le monde! On a un invité! Bonjour, Mr. Gay! Ouais, salut, salut! Fameux Gay John! C'est pas la première fois que vous voyez à l'émission, ça c'est le gars qui vous fait jouer à toutes les fois que vous masturbez chez vous, sur la rue, mon je sais pas trop quoi. Ouais. Direct ça, je me dis. Fait que, pis Gay, qu'est-ce qui se passe de bon avec toi? Il se passe pas grand chose, man. J'ai un sujet à nous emmener, man. Non, non, j'étais supposé avoir un sujet cette semaine, j'étais supposé vous parler de plein de choses, pis. Je sais pas, là, il m'est arrivé une histoire, man, ça. Je me reconnais plus, man. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a à reconnaître? Je sais pas, man. Donne-moi une smoke, donne-moi une smoke. T'es venu à l'émission, mais t'as une smoke, c'est-tu? J'attendais en bas des marches, tu sais, des personnes qui me disent de rentrer, tu sais, il y a un red light on air, man, fuck you. Ah, oh, Chris, rentre pas quand il y a le fucking on air, si, c'est pas pour rien là, que je viens de réaliser compte. Ah, si, oh, on va le rentrer dans l'émission, là, on n'a pas le choix, parce qu'il il est déjà là. Ok. Est-ce qu'on n'est pas en santé, hein? L'autre coup, chez nous, tu sais, tout à mon affaire, tu sais, comme d'habitude, là, tu sais. Ouais, je fais ça des fois, moi aussi. Ça m'arrive. Une fille que je connais, man, elle passe chez nous, man. Une fille? Moi, ouais, une fille. C'est malade pareil. Mais on voit jamais ça. On voit jamais ça. Ah, oh, man, je suis triste pour toi. On rit, mais c'était. Non, c'était pas drôle, man. Mm. Fait qu'elle vient chez nous, tu sais. Puis, elle connaît un peu mon expertise, tu sais. C'est qu'elle veut faire des. Elle veut faire des trucs, là. Tu le montres? Non, ça a l'air que c'est. Fait qu'elle connaît mon expertise, comme tu sais, man. Fait qu'elle veut faire des trucs, tu sais. Fait qu'elle me dit, on va faire des comptoirs familiales, tu sais, les ventes des garages, des cochonneries de même, tu sais. Ouais, ouais. Fait qu'elle passe chez nous, tu sais. Elle rentre, man. Elle frotte ses boules sous moi dans le corridor, tu sais. Je veux dire, elle sait, Chris, que ça passe pas d'eux, là. Ouais, non, attends un peu, là. Elle est arrivée mais chez vous. Elle est un peu flirty pareil, mais tu sais, comme hard to get, tu sais. Ça me travaille quand même, tu sais. Comme ça, hard to get. Là, on est sur mon divan, man. Puis elle me fait des grosses passes. Mon gars, elle joue dans ses cheveux, man. La panty shot, toute la patente, man. Puis là, en tout cas, je suis pas fier, là. Je sais pas, man. D'habitude, j'ai le contrôle sur moi et tout, mais là, je sais pas ce qui est arrivé, man. Je dis, pis on y va-tu au comptoir? Elle dit, ah ouais, man. On se lève, on part, man. Là, le reste, c'est un peu flou, là. On se promenait en char, pis on ramassait des cochonneries. Un moment donné, j'étais au bar avec, on buvait une bière, là. J'ai comme. Je reprends un peu mes esprits, j'étais comme, ok, va la fourrer des toilettes, va la fourrer des toilettes, ouais, man, Chris, tu l'as pas fourré chez vous, man, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, man, je me reconnaissais plus, man, je parlais de choses, man, ah, les livres que j'ai lus, man, ah oui, les cinémas, ha ha ha, man. Tabarnak, ça me fait penser à Jip, l'animateur de Sherby Downtown, ça. Je suis revenu chez nous, man, je comprenais plus rien, man. Mais c'est après, là. Tu sais, sur le coup, c'est bien beau, là, tu te rappelles plus, c'est rien que des flashs, mais. Quand j'y repense, c'est les remords, man. La honte, un genre, c'est un mélange vraiment pas cool, man. Je pense que j'aurais stabé du monde en face, moi, ça m'allait arriver. Je pense à toute la honte que cette fille-là a là, man. Elle s'est donné le truc, ok? Elle se donne le trouble. On s'entend, là. De trouver des défaites pour venir chez nous. Faut qu'elle cherche en crise, ouais, là. Faut qu'elle cherche en crise. Puis moi, j'ai rien à faire, man. Elle est arrivée fucking chez nous, j'ai même pas donné un verre d'eau, man. Rien. Ouais, moi non plus, je donne jamais rien. Mais là, j'ai donné plus que rien, man. Man, c'est pas cool, man. L'autre fois, je me promène sur la rue, man. Y'a un gars, je sais pas c'est qui, man. Il arrête en char, il vient me ramasser, man. Chris, il voulait me casser la gueule. Il dit, c'est quoi, t'as trouvé pas cool, ma soeur, man? Tu veux pas pogner de quai, ma soeur? Elle va chez vous, man, t'as faux pas dans la tête. Man, j'étais chanceux, man. Y'a une couple de bonhommes qui sont arrivés. What the fuck, là. Il a comme rembarqué dans son char, il est parti. Comme ça, genre, pis, man, je sais pas, man. D'après moi, il va me repogner, là. Juste parce que t'as pas fourré sa soeur dans la face? Merde, je file vraiment bad, j'aurais jamais dû faire ça, man. J'aurais jamais dû faire ça, man. Jamais. Si, je l'aurais porté, moi, cette fille-là, si, comme une citrouille mal coupée, tabarnak, man. Je te l'aurais renfoncé de solide. T'as même pas rien fait. Chris, après tout. Je le sais pas, man, je me reconnaissais plus. Après toutes les vidéos de Free Sparky, tout, non, mais Chris. C'est pas rien que ça, tabarnak, mais t'es un j'ose plus sortir chez nous. J'ose plus sortir de chez nous, j'ai honte, man. Tabarnak, je sortirais pas, mon nom. Hey, imagine, j'ai vu une de ces chums de filles, man, de la façon qu'elle me regardait sur la rue, là. Tabarnak! Le pire, c'est que moi, j'aurais essayé de compenser. Ils doivent en parler entre eux autres, man. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas s'assurer, je sais pas. Je suis découragé. Je sais plus, man. Je sais plus. Je pensais déménager un bout. Mais je me suis dit. Isolé en campagne, j'ai pas, c'est j'ai pas une crise de scène. Si tu veux que j'aille, man, j'ai. Pas chez nous, pas chez nous. Je sais pas quoi te dire, hein.
Fait que je sais plus, man. J'étais supposé faire des affaires pour l'émission pis tout, mais là, c'est... Ben, t'es découragé. Fait que là... Non, moi, c'est parce que j'essaie de comprendre ça. T'avais la poche pleine. T'as rien fait avec une fille qui va chez vous. Panty shot, man. Panty shot, c'est mon divan. Panty shot, man, asti. Aurais même pas eu le temps de les montrer, man. J'aurais fait comme... Oup! No more panties, asti. Je pensais t'avoir montré tous tes tricks in the book. Non, moi... Fuck yeah! Non. Non, mais non, c'est bon, tu me redonnes un peu le sourire avec ça, là, mais... C'est triste en tabarnak. Si moi, aurais été assez collant, t'aurais eu de la misère à remonter jusqu'à chez eux au carrefour. Le pire, c'est que j'avais donné mon vrai nom, là. Tu as donné ton vrai nom? Tu fais jamais ça. Je sais pas, man. Pourquoi tu penses son frère? Je sais pas, man. Je sais pas, je fais le trusting, là. Depuis quand on fait le trusting? Tu sais comme moi qu'on a eu le gouvernement. Tu dis jamais ton nom à personne. Fait que là, en ce moment, là, cette fille-là, là, là, elle se lui regrette total. Ouais, c'est ça qui est en train de fourrer, là? N'importe qui, man! Avec du gars! N'importe qui! Un chien du gars en train de fourrer avec! C'est clair! Man, elle doit se donner à n'importe qui pour se revenger, man! Hein? Elle doit piner des poteaux de litre, n'importe quoi! Ben, elle doit se crosser, puis elle doit envoyer des photos à moi ou à des vidéos. En tout cas, si jamais vous entendez parler de ça, là, c'est pas vrai que je touche pas aux filles qui passent chez nous, ok? C'est pas vrai qu'ils emmenaient dans un comptoir et dans une crise de scrap. Non, mais te faire un souper. Non. Non, 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 il fait pas un souper aux femmes. Si vous, Marc, si vous entendez parler de ça, là, c'est de la petite bullshit, man. Ça, c'est du monde qui essaie de salir ma réputation, man. Je sais. Je sais. Ça, c'est du monde qui essaie de fourrer à ta place. Ça serait quoi, ça? Peut-être les gars de la chronique plate? Je sais pas, man. Je sais pas, man. Il y a trop de monde qui m'haïssent, man. Je sais plus. Je sens que c'est comme une conspiration. Man. Conspiration, tu dis? Man. Une fucking conspiration, man. Non, ils ont pas de vie. Ça, man. C'est parce que le monde sont jaloux, nous autres. Parce que Chris, on a plus de guns qu'eux autres. Ben, je suis pas sûr. D'après moi, c'est plus la fête de faire une émission qu'il y a 5 personnes qui écoutent. Moi, ouais, c'est un fait, ça. Depuis qu'on est populaire. Comment t'as connu du monde qui a 5 Chris. Personnes qui les écoutent, toi? Fuck all, man. Fuck all, man. Fuck all, fuck all, man. Le monde me parle, je les écoute même pas. Non, je sais. Ça. C'est tu te calais. J'ai de la misère à t'écouter qui dresse comme c'est là. Fait qu'imagine, 5 personnes qui nous écoutent. Merci. Merci, gars. Keep it real. Fait qu'à part ça. Ben, j'ai primé un peu, là. Ouais, je comprends, calais. J'essaie de remonter la pente, tu sais, d'avoir de l'estime pour moi, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Bon, c'est pas facile, Chris, hey, tabarnak. En plus de ça, t'sais, le monde savent qu'on a de la classe, t'sais, on est assis ici à Sherbrooke, là, dans la meilleure fucking place qu'il y a pas, le studio B, pis... Moi, je bois de la bière importée de Rochester, man. Ben, je sais. Ça, je pense que c'est à New York. Das Bro, ça, je pense en allemand, ça veut dire la bière. C'est comme nous autres, on boit des bouteilles vertes qu'on a trouvées en quelque part. Pis, je sais pas, on boit ça dans des fruits, Chris, man. Il me semble qu'on a de la classe pis ça. Mais tabarnak, là, il faut que t'arrêtes d'emmener des filles à des places, man. Il faut que t'es invites juste chez vous pis t'es fourre dans la gueule. T'es fourre dans la gueule, tu crées ça dehors. Une chance, c'est l'été, man, parce que je trouve ça fif en Chris, un fruit comparé à un pot maçon, man. Chris, je t'ai étudié qu'est-ce qui s'est passé avec mes pots maçons? Non. J'ai tiré tout dessus. C'est le chef. Tabarnak, vous comprenez, les gars, achetez-vous jamais un airsoft, man. Il y a juste les caves qui achètent ça, man. Non, 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 Call of Duty, m'a tiré sur mes pots maçons, maman! Tout, tout, tout! C'était pas avec yeah, toi. I used to be an operator, then I had a hair soft on the knees, tu sais. C'est une blague! C'est une blague d'internet, j'ai vu ça sur une image board ouais. L'autre fois. Cool, ouais, c'est cool, man! Ouais. J'arrive jamais à retrouver ce que j'écris, man. C'est bien pour ça que tu pognes pas de femme, parce c'est que t'as regardé avec les affaires de marde de Chris sur Internet au lieu de regarder du porn et t'éduquer un peu. Non, man. J'aime bien si on a un fruit. Mais écouter du porn, c'est du 56K, man, ça rentre pas, man. Ouais, moi, downloader des images, là, tu sais, c'est comme, tu vois la face avec Yo, là, ça descend. Jap, ça descend. Là, t'arrives, t'es quasiment à la fin, tu te rends compte que la fille est un chimel. Oh, man. C'est le même. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est pas tout le monde qui a de l'argent, hein? On peut pas tout être riche comme Jip. Non, à cette heure, les galeries de photos, man, ils en font plus, man. Ils mettent toutes des vidéos, man. Ah, c'est. C'est dur à downloader. Ah, man, ça suffit. J'attends, man. Je check ça, man. 45 mégabytes, man. C'est quoi, j'ai-tu l'air d'avoir toute la nuit, moi, pour downloader ça? Fuck off, man. Regardons, j'ai d'autres choses à faire que ça. Yes, man. Je travaille, moi, dans la vie. Je suis pas un étudiant au cégep. Non, man, c'est rough en Christ, man. Tu ne sais pas qu'on va passer?
Ben ouais. Ouais, Chris. Thank you. Tant qu'à respirer de l'air pur de Sherbrooke. Calisse. Tu sais, quand l'air est tellement humide et sec que ça te fait des bouts dans le nez. Là. Mais c'est tellement humide qu'il faut fumer des smokes, man, pour comme sublimer la vapeur d'eau qu'il y a dans nos poumons, qu'ils disent. Là. Ouais, tu sais, il y a comme de quoi qu'il faut qu'on sublime là-dedans. Je sais que mon père m'a déjà dit ça, des affaires de même, puis toute mon éducation, je l'ai pris lui. Fait que les jeunes à la maison, écoutez vos parents. Ouais. À part ça, Chris, je vois bien que t'as un trusty knife. J'en reviens pas, man, elle était chez nous. Hein. Je te parle de ton trusty knife, pas de la bitch. Hein. T'aurais dû la fourrer dans la gueule. Laisse faire ça. Non, c'est pas super, man. Ouais. Non, hein, j'étais un western, man, de la guerre. Là. C'est mon grand-père qui me l'a donné, man. Il est pas mal plus long que le mien, Barry, c'est ben, ça. Ah, ben, mec. Nous autres, on est pas comme des fags à Montréal. On se bat pas aussi que des guns. À Sherbrooke, c'est des crotch knife. Crotch knife. Si t'as pas un trusty knife dans ton crotch, tu vaux pas de la merde, man. Yeah. T'es trop fag pour pogner que ça. Nous autres, on carry de même à tous les jours, hein? La majorité du temps, si, ils me regardent bizarre en tabarnak quand je m'en vais chez Louis Lanchonette. C'est sûr, dans un pick-up, c'est moins compliqué parce qu'à un moment, t'en voyais pas, tu sais. C'est sûr. Fait que t'es obligé de sortir à un moment donné. Parce que tu veux pas, il faut que tu sortes de ton crise de pick-up à l'autre dépanneur, en faisant même, tu sais. Ouais. Tu peux pas juste tourner en rond dans les rangs, ouais. La fille au dépanneur, par exemple, à skate, si t'es contente en tabarnak quand elle me voit rentrer avec ça, man, si. Chris, je te le dis, là, ta voix à la fille en arrière du comptoir, puis elle se distance un peu quand elle me voit rentrer. Elle s'impressionne. Puis tu vois, man, les petites babines, man, si dans. Ah, t'es voué pomper de même du sang, tabarnak, parce qu'elle est toute excitée après moi, man. Tu vois, ça, c'est à cause. Ça, c'est à cause que toi, t'as un Big Bear 2,50. Vois ça? Ça, là. Ça les excite encore. Ça, là, ils savent que ça marche en tabarnak. Ouais. La seule affaire qu'elle sait pas, c'est que ça appartient à mon cousin. T'es pas obligé de dire. C'est ça, c'est. Elle dit, hey, c'est tu ton bicycle, le 3 roues qui est parké en double en avant des tanks. Tu dis, Chris, oui, man. Donc, quand elle dit, tosse les dons, pis t'as le monde tank, calice, man. Première affaire, il faut apprendre, man, à propos des femmes, justement, gars, on va en parler, Chris. Mentez-leur, esti. Qu'on t'ait dit de la bullshit. Qu'on t'ait dit des niaiseries, esti. Pis anyway, tu sais, je veux dire. C'est, tu sais, comme le dépanneur bleu, il est droit à côté du pit de sable. La meilleure place au monde. Le propriétaire, Éric Huard, un de nos chums de la skate. T'as fait de la plug, t'as besoin de me donner des affaires. Mais moi, quand je me fais pogner là pour plaiter, tu sais, je dis que j'étais dans le pit de sable, puis ça a marché une fois. Ouais, ouais. T'es allé chez Turcotte, là, j'étais allé me chercher des plaites. Ah ouais, tu sais, je veux dire. Je savais-tu, moi, qu'à skate corner, t'as pas l'air de te promener en quatre roues dans la rue, là? Tout le monde se prend en quatre roues dans la rue. Ouais, c'est juste parce que t'as été malchanceux avec la crise d'escu. Eh, hey, asti, qu'est-ce que tu veux, c'est de même. Les deux se promenaient en cheval dans ce coin-là. Mm. À Barry, c'est fort se promener en cheval le 1er juillet. Oui, je trouve que ça fait trop légende d'automne. Se promener en cheval le 1er juillet? T'as jamais vu les gars de Barry, ça brosse, toi? Ouais, si, ils se prennent tout croche avec les colis à cheval. Ah, ça se prend en cheval, ça brosse, toi, le 1er juillet. Moi, je trouve que c'est legit en esti, man. C'est vrai, Barry. C'est quand que tu peux te promener sur la brosse au village, toi? Hein? Envoyer en chier les chars, man, pitcher des vides. Ben, jamais, Chris, hein. De fait, ouais, mais c'est vrai, à Barry, pareil, ils l'ont en Chris, en fait. C'est une autre bonne place pour le monde de Montréal qui nous écoute en ce moment. Mais faites votre tour dans le canton de l'Est, passez à Barry, c'est un 1er juillet. C'est vrai que c'est rock'n'roll en tabarnak. C'est la place, man. C'est la place certaine. C'est la place certaine, man. Une couple de personnes qui font des ventes de garage, j'ai tout à ma tante qui ont des tourtières et des patentes de même qui donnent des. Tout le monde, ils font un crack à des parties à Saint-Jean. Moi, j'attends le premier à Barry, man. Oh, ouais, fuck les parties de la Saint-Jean, c'est overrated. Tu gaspilles ton alcool, man. Ouais, ça, Steve. T'en vas là-bas, Chris, eux autres, ils ont des feux d'artifice, ça dure rien qu'une journée. Tu seras pas obligé de flouer ton cash à partir du 27, 28, 20. C'est quand à Saint-Jean? 24, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Tu seras pas obligé de flouer tout ton cash. Non, non, soigne ton cheval, là, si tu vas le sortir tout le premier. Premier, pis c'est sûr et certain là, qu'il y a sûrement une petite plate là-bas là, qui en a pas de cheval. Là. Fait qu'elle va te voir son cheval, puis elle va vouloir prendre une crise de ride à soir, pis c'est pas le cheval qu'elle veut rider après ça. T'sais. Que t'es pas. Puis anyway, quand elle débarque du cheval, elle a les jambes assez écartées, esti. Que... Man, elle est venue chez nous, j'ai même pas touché, je t'avais-tu dit ça? Je n'en reviens pas, je n'en reviens pas. T'as le reste fist fucké jusqu'au fond. Mm. C'est le genre d'après-midi que j'aime bien, ça. Il fait chaud, tabarnak, je viens de prendre mes spots, qui chauffe. C'est qu'il y a n'importe qui à cette émission-là. Ah, c'est vrai, c'est le gars qui anime l'émission avec moi! Esti le fucker. Fait que là, pour ça, après-midi. Chris, tu l'as même pas fourré, man! Je pense que j'ai rien à dire, je pense que j'ai envoyé un message sur Facebook. T'as Facebook? Bon, mais tout. Mais c'est sûr que ça reçoit un message de la fille avec des gros tontons, tu sais. Je suis mieux de pas prendre mon Facebook. C'est ordinaire en Christ. C'est ordinaire en Christ. Tu sais.
pas donner son vrai nom là-dedans. Là. C'est une autre affaire du gouvernement. Commence-tu avec un C? Non. Bon, mais je vais aller gosser. Oups. Faut pas échapper ça en haut. Phew, elle était vide. Phew, c'est ça, avant-nec. Avant-nec. C'est n'importe quoi, ce studio-là. Ouais, c'est chiant, Chris. Ça sent la pisse, man. Bon, retournez chez nous, je pense. Ouais, fais donc ça. On m'a réinvité l'autre. Puis, on avait-tu des capsules qui s'en venaient en pas long, quelque chose de même? Ouais, une course de char. Ouais, il va y avoir des courses de char, comme je me fais dire par la régie qui vient de partir d'assis à côté de moi. Il a même pas fourré.